Dans le monde impitoyable du football, où chaque match est une bataille, un héros se distingue malgré les défis. André Onana, le gardien de but de Manchester United, a connu une soirée difficile face à Galatasaray en Ligue des Champions. Cependant, même dans l'adversité, Onana peut compter sur le soutien indéfectible de son entraîneur, Erik ten Hag. Manchester United traverse une période difficile en Ligue des Champions, avec seulement une victoire et 3 défaites en 5 matchs. Malgré ses revers, l'équipe a encore une chance de se qualifier pour les 8e de finale. Leur destin se jouera lors d'un match décisif contre le puissant Bayern Munich à Old Trafford le 12 décembre. Ils espèrent également que le match entre le FC Copenhague et Galatasaray se termine par un match nul, ce qui leur donnerait une chance de se qualifier. Connaissant la mentalité allemande fièrement assimilée par les joueurs du Bayern, ça sera très compliqué. Onana a été critiqué pour sa performance lors du match contre Galatasaray, en particulier pour sa faute sur le 2e but. Cependant, Ten Hag a exprimé son soutien à Onana, soulignant l'importance de l'esprit d'équipe. « Nous gagnons et perdons ensemble. Il ne s'agit pas d'individus. Les erreurs individuelles dans le football peuvent faire la différence et vous en assumez la responsabilité, mais c'est toujours l'affaire de l'équipe. » a déclaré Ten Hag. Malgré le soutien de l'entraîneur, une chose est certaine, c'est que leur potentielle qualification sera difficile. À votre avis, pensez-vous que Manchester United pourra se qualifier malgré les difficultés? Je vous attends dans les commentaires. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cette façon vous serez informé des prochaines vidéos sportives que nous allons publier. Prenez soin de vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.